Dans la vidéo de présentation du tableau périodique, on a parlé des métaux en disant que notamment dans la première colonne, on avait les métaux alcalins, ici les métaux alcalino-terreux, et puis là les autres métaux, et ici les non-métaux. On va parler aujourd'hui de la définition des métaux de transition. Ce sont donc des éléments de transition. Alors dans certains manuels ou pour certains professeurs, la définition est assez simple. On dit que les métaux de transition sont les métaux qui sont compris entre les éléments du groupe 3 et du groupe 12. C'est-à-dire que tous ces éléments ici, pour toutes ces colonnes, 3 à 12, sont des métaux de transition. Alors c'est une manière de voir les choses qui est un petit peu simplifiée, et ce n'est pas exactement la définition qui est donnée par l'IUPAC. Alors l'IUPAC, IUPAC, c'est International Union for Pure and Applied Chemistry. En français, on dit Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée. Moi, pour des raisons d'habitude, je dis IUPAC. Donc pour l'IUPAC, la définition d'un élément de transition, c'est un élément dont l'atome, donc la forme neutre, possède une sous-couche D partiellement remplie, ou qui peut former un cation dont la sous-couche D est partiellement remplie. Donc on parle ici de la sous-couche D, donc des orbitales D. On sait que les orbitales D, il en existe 5 types d'orbitales D, qui peuvent chacune accueillir 2 électrons, donc on a au maximum 10 électrons dans les orbitales D. Donc dire que la sous-couche D est partiellement remplie, c'est dire qu'on a moins de 10 électrons dans les orbitales D. Et si on regarde ce bloc D ici, donc qui correspond aux colonnes 3 à 12, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes, qui correspondent donc aux 10 électrons qu'on peut placer dans ces orbitales D. Alors on va prendre un exemple, on va regarder le fer, et on va écrire la configuration électronique du fer et voir si le fer est un élément, un métal de transition. Donc on va écrire la configuration électronique en utilisant la notation gaz noble pour que ça soit plus rapide. Donc le gaz noble qui précède le fer dans le tableau périodique, c'est l'argon. Donc on commence par écrire argon entre crochets. Et ensuite, on arrive dans la quatrième période. On va donc commencer à remplir l'orbital 4s, 4s2. Donc là, j'écris la configuration électronique en observant le tableau périodique et en remplissant les orbitales de la gauche comme ça vers la droite. On arrive ensuite au bloc D, donc il s'agit des orbitales 3D, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons dans ces orbitales 3D. Donc on écrit 3D6. Alors on peut aussi trouver argon 3D6, 4S2. C'est tout à fait juste également, c'est une autre façon de l'écrire. On ne va pas rentrer dans cette vidéo dans les détails de l'ordre de remplissage de ces orbitales. On verra ça dans une autre vidéo plus spécifiquement. En tout cas, les deux notations sont tout à fait possibles. Ici, si je regarde du coup la définition, si ça correspond à celle de l'IUPAC, si le fer est bien un élément de transition, je regarde les électrons dans les orbitales D. Dans les orbitales 3D, on a 6 électrons. 6, c'est bien inférieur à 10. On a donc une sous-couche D partiellement remplie. Donc le fer est bien un métal de transition, d'après la définition de l'IUPAC. Si maintenant on s'intéresse à un élément de la dixième colonne de ce bloc D, par exemple le zinc, et qu'on écrit la configuration électronique du zinc avec la notation gaz noble, de la même manière que pour le fer, le gaz noble qui précède c'est l'argon, donc on commence par écrire argon entre crochets. Ensuite on a l'orbital 4s, 4s1, 4s2, 4s2, et ensuite les orbitales 3D, et on est ici dans la dixième colonne du bloc D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a donc la sous-couche D qui est complètement remplie avec 10 électrons. Donc déjà, le zinc ne remplit pas la première condition ici. On sait que le zinc peut former le cation Zn2+. Zn2+. Donc quelle est la configuration électronique de ce cation Zn2+? La question est donc de savoir quels sont les deux électrons qui ont été perdus pour passer du zinc au cation Zn2+. Eh bien, ces deux électrons, il s'agit des deux électrons de l'orbital 4s. Donc la configuration électronique de ce cation, c'est argon 3D10. Donc pour ce cation Zn2+, eh bien, on a la sous-couche D qui est également complètement remplie. Donc le zinc, d'après la définition de l'IUPAC, n'est pas un métal de transition, puisqu'il ne répond à aucune de ces deux conditions ici. Donc il faut bien retenir qu'il y a deux manières au moins de définir les métaux de transition. Soit on considère que tous les éléments du bloc D sont des métaux de transition. Dans ce cas-là, on inclut tous les éléments de la colonne 3 à la colonne 12. Soit, si on prend la définition de l'IUPAC, eh bien, on a seulement les éléments
dont l'atome possède une sous-couche D partiellement remplie, ou qui peuvent conduire à un cation dont cette sous-couche D est partiellement remplie, et on exclut à ce moment-là, par exemple, les éléments comme le zinc. Il faut bien être conscient de ces deux définitions pour bien savoir de quoi on parle et pouvoir s'adapter en fonction du manuel, en fonction du professeur, à la bonne définition.